Suède et Assurinco proposent pour TUI 4 majeures assurances voyage. Une annulation seule, une assistance bagage, une multirisque dite standard et bien plus une assurance multirisque premium et ski. Ces assurances-là comportent une extension sur l'épidémie et la pandémie qui est aujourd'hui indispensable pour un voyage en toute sérénité. Les points forts d'une assurance voyage chez Mutuel et Assurinco sont essentiellement au niveau des garanties. Celles-ci sont toujours adaptées au voyage. Prenez par exemple la multirisque ski, il y aura une assurance motoneige, il y aura l'assurance bris de ski. Pour les voyages à l'étranger, ce sont des frais médicaux pris en charge sur des plafonds assez élevés. Et bien évidemment, c'est la garantie épidémie-pandémie qui sera pris en charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en annulation, une personne qui a la COVID-19 pourra annuler, elle sera remboursée. Elle n'a pas le temps de faire son vaccin parce que le pays l'a décidé en dernière minute. Cette personne pourra également annuler, elle sera remboursée. En assistance rapatriement, cela va être la couverture de la mise en quatorzaine si à destination il y a la COVID-19. Ça sera la prise en charge des frais médicaux et ça sera du soutien psychologique et un rapatriement dans la foulée. Toutes ces assurances, aujourd'hui, n'existent pas sur le marché et donc ça a la force des garanties sur Mutuel et Assurinco. L'application Gabriel est en fait le compagnon du voyageur. Toute personne qui aura souscrit à une assurance multirisque l'emportera avec lui. Et en cas de problème, à destination, un bouton d'urgence, une géolocalisation, la recherche d'un hôpital le plus proche, tout ça sera dans l'application Gabriel. Effectivement, les cartes bancaires dites haut de gamme proposent des assurances voyage. Mais les garanties y sont assez minimes. Il y a quelques garanties d'annulation, un peu de bagage, un peu d'assistance rapatriement, mais surtout, il n'y a pas la garantie épidémie-pandémie. Voilà la plus grosse différence avec nos multirisques. Également, dans le traitement des dossiers d'assurance et dans leurs promesses. Pour notre part, nous remboursons un dossier dans les 48 heures qui suit la réception des pièces justificatives. Et ce n'est pas tout à fait le cas au niveau des cartes bancaires.